Cette signature des conventions de partenariat entre le ministère des Ressources animales et halieutiques et la Caisse nationale des caisses d'épargne va relancer le secteur avicole. Ce partenariat entend garantir des prêts aux agriculteurs et à leurs organisations professionnelles. Cette initiative est impulsée par le plan stratégique de relance de l'agriculture, évalué à plus de 45 milliards de francs CFA, et la mise en place du fonds de garantie du secteur avicole. La collaboration des deux signataires a permis de valider l'éligibilité de 15 projets d'une valeur d'environ 127 millions de francs CFA. Nous voulons des professionnels aguerris qu'ils prennent les dispositions pour se doter d'outils capables de leur permettre de développer leurs exploitations. À en croire les intervenants, l'agriculture est une filière émergente. C'est pourquoi le ministre des Ressources animales et halieutiques a invité les autres banques à s'engager dans ce projet. Notre objectif, c'est que les années à venir, nous puissions effectivement atteindre les 7,5 milliards de fonds de garantie, ce qui nous permet d'envisager un fonds global à partir des financements extérieurs, des banques et également des partenaires techniques et financiers. Le représentant du Premier ministre et le ministre en charge de l'économie ont exprimé la volonté du gouvernement de développer le secteur avicole. Forte de près de 1 800 fermes, la filière avicole réalise un chiffre d'affaires de plus de 100 milliards de francs CFA.